D'études, donc de ma troisième année à 3IS. Le film s'appelle Bouche cousue et c'est l'histoire de Sophia qui a 23 ans et qui souffre d'anxiété sociale qui lui cause un bégaiement. Et en fait, elle va découvrir qu'elle est enceinte et elle va vouloir avorter. Et l'histoire, c'est réellement comment est-ce que cette décision d'avorter, qui est une décision dure pour n'importe quelle femme, va, elle, lui permettre de s'émanciper du regard des autres et de s'affirmer auprès de ses proches. Bonjour, c'est Anaëlle, l'actrice. L'autre, c'est comme l'autre. Ça qu'on appelle. Du silence, s'il vous plaît. Anaëlle, est-ce que tu peux faire un petit pas en avant? Oui. C'est une atmosphère qui évolue beaucoup tout au long du film. Au début, c'est quelque chose de très malaisant, mais embellissant. Ça va être quelque chose avec beaucoup de couleurs, quelque chose de très propre et de très travaillé en termes d'image et de son. Quelque chose où le décor et l'ambiance prend plus de place que le personnage. Au fur et à mesure du film, on va se rapprocher des personnages, et en particulier de Sophia, jusqu'à oublier complètement tout le reste et être vraiment au plus proche d'elle et de son émotion. Donc c'est quand même un ton très réaliste, avec quelque chose de très intimiste. On a deux plans à tourner ce matin, c'est un peu compliqué. Avec ce magnifique temps, mais pour l'instant ça va. Écoute, on est dans les temps. On a réussi à se faire ce qu'on voulait, on a même réussi à faire un plan en plus. La langue des signes, c'est venu parce que du coup, il y avait tout le thème de la parole, le fait de s'exprimer avec les gens et tout ça, qui est un vrai problème quand tu souffres d'anxiété sociale, parce que moi, c'était mon cas avant. Et je m'en suis libérée grâce à l'école, grâce au fait de m'exprimer à travers les films et tout ça. Et du coup, on s'est dit, comment est-ce que dans un film, on peut faire passer cette même idée que quand tu n'arrives pas à parler avec la parole, tu peux t'exprimer d'autre façon. Jusqu'à, on fait la deuxième partie. Oui, bien sûr. Séquence 10. En vrai, j'ai laisse-moi faire, j'occupe de tout. Laisse-moi faire, je m'occupe. Laisse-moi. Je m'occupe ou j'organise tout. J'organise tout. J'organise tout. D'accord. D'abord, j'aurais fait leur dialogue en langue des signes. Je leur ai envoyé une vidéo pour qu'ils puissent s'entraîner avant. Et une fois sur place, je leur ai expliqué comment il fallait justement interpréter les langues des signes et le comportement qu'il fallait avoir. Ils ont vite compris, plus vite que j'aurais pensé d'ailleurs. Ça m'a vraiment surpris. Ouais, ta main elle fait comme ça. Tac, 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 tac. Comme si je... D'accord. Comme si tu tapes l'épaule. Comme si je me caressais l'épaule. Attention, le mouvement de nez. Comme ça? Ouais, mais pas comme ça, si t'as fait ça en fait. Ah, je crois que c'est ça. Mais après, le but c'est de bien faire le geste aussi. Ouais. C'est pas... T'as besoin d'aller vite. Après, je vais vite parce que j'ai l'habitude, mais... Je cherche pas non plus à aller le plus vite possible. Ah ben voilà, c'est beaucoup mieux. Tout ce qui est création, on s'est dit que c'était un moyen d'expression vraiment très fort et très marquant, comme tout ce qui est les peintres, les musiciens, tous ces trucs-là, c'est des gens qui font passer des messages par leur art. Donc on voulait inclure l'art dans le film, donc la création de jouets. C'est pour ça qu'est venu le fait qu'elle soit créatrice de jouets. Et la langue des signes, on s'est dit que c'était un autre moyen très visuel et très compréhensible finalement, de montrer qu'elle arrivait à s'exprimer, mais pas directement. One, two, three, ho! Bonjour,
your funky soul. They're doing it down in that soul. Jam that funky soul. They're doing it by the beach. They're driving that funky soul. New York, get yourself together. Journée hardcore. Faut que je pleure, faut que je crie. Il faut que je m'engueule avec René aussi. Ah, faudra pas que je fasse des têtes drôles ce jour-là. Du coup. Oh, surtout pas. On va faire pleurer encore tout pour te saouler. Je te ferai pas de massage, tiens, comme ça tu seras frustrée de ouf. Ah si, et non. Pas de café de matin. De ouf, voilà. Grâce à nous, tu joueras archi bien. J'ai voulu jouer dans ce film parce que avec Sam, quand on s'est vu sur le casting, pour moi, il y a eu un énorme feeling. Le sujet me touchait particulièrement. Je pense que pour ce genre de rôle, il fallait avoir vécu quelque chose d'un peu similaire. Est-ce que je peux avoir... Ce qui m'a fait peur, en fait, ça m'a plu au final, parce que c'était pour moi un petit combat à mener. Le langage des signes, il fallait que ça soit hyper naturel. Donc, sincèrement, je m'entraînais 2 heures par jour. J'ai regardé beaucoup de films où ils parlent la langue des signes pour voir comment ils font avec les mimiques du visage, etc. Ce qui m'a fait peur aussi, c'était la scène où je suis dans les toilettes et que je pleure beaucoup. Question là, le premier plan, ouais. On est d'accord que c'est devant le miroir ? Ouais. D'accord. Tout ce qu'on va faire, c'est que tous les plans... On va les faire jusqu'à la fin presque. Là, le premier plan, si tu veux, c'est celui qui va vraiment prendre toute l'action. En gros, ce qu'on fait, c'est qu'on fait toute la partie dans le miroir, on te suit jusque sur les toilettes, et après, tu vas commencer à te frapper, mais je te laisserai pas te frapper 300 ans sur ces plans-là. Les plans où il y aura vraiment besoin d'avoir l'impulsion, entre guillemets, c'est les plans qu'on fera en dernier, où en gros, il y aura plus le jeu parce qu'on verra plus ta tête, mais par contre, tu auras les points. Tu veux genre des trucs, tu vois, comme ça ? Encore plus fort que ça ? Non, parce qu'en vrai, ça, à l'image, ça paraît très fort déjà, ces trucs-là. Moi, ce que je veux, c'est juste qu'on ressente le fait que c'est toute la haine que t'as envers toi-même qui ressort dans ces coups-là. À l'origine, le film s'appelait « Je te donne ma parole ». Mais à l'époque, c'était sur le fait de... C'était l'histoire entre une fille et son père. Et la fille se mettait à réussir à parler après s'être réconciliée avec son père. Mais ça n'avait plus aucun rapport avec l'histoire qu'on avait là. Donc une fois qu'on avait un scénario assez avancé, on a fait un brainstorming, on a listé tous les mots-clés que nous inspirait le film. Et je sais plus, je crois que c'est Sarah ou moi qui avait proposé ce titre de Bouche Cousue. Et en fait, ça nous a parlé tout de suite. On s'est dit qu'il y avait tout le rapport à la parole. En plus, c'est une expression assez enfantine et il y a tout un rapport à l'enfance dans le film. Du coup, on s'est vraiment dit que c'était un titre à beaucoup de sens différents et qui était en plus très simple. One of these days, and it won't be long, you're gonna look for me and I'll be gone. Donc je suis en train de galérer mon putain de bout de papier. Ah, écoutez, voilà, je plie les pieds de ma cigogne. Donc je propose d'incurver la feuille à environ 90 degrés. Complètement faux. Et voilà, une cigogne en origami. Un petit message. Qu'on s'amuse, c'est le dernier jour. On s'amuse. Voilà. On a des gens comme ça qui découpent le décor. C'est une grosse journée, là, on a 2 dolis, là, 2 travelling. Ah. On a hâte et en même temps pas hâte que ça se termine. Parce que c'était bien quand même. Mais on a aussi 3 sessions derrière qui arrivent.
petite retouche parce que j'ai bu trop de café. C'est au millimètre près. Il y a Virginie qui va arriver. Donc il va arriver gauche 4. Tu vas venir lui prendre, poser ta main et lui prendre la main comme ça. Et vous allez vous regarder, vous allez vous comprendre en un regard. Et juste après ça, il y a donc la sage-femme qui va rentrer, qui va venir juste ici. Tu vois, t'avais une petite marque. Ok, c'est good. Je vais mettre le papier, c'est ça. Silence, s'il vous plaît. De toute façon, on voit pas là. Si je joue à tout. Moteur. On dit ensemble. C'est sûr, on va faire un 2-3. Un dernier petit silence, s'il vous plaît. Fin de tournage. Merci beaucoup à absolument tout le monde. Vous avez tous été géniaux tout au long de la semaine. On a eu que des journées qui sont super bien passées. Évidemment, il y avait toujours des petits couacs par-ci par-là, mais dans l'ensemble, à chaque fois, ça s'est super bien passé. On a eu que des acteurs contents, j'ai l'impression. Non, en tout cas, j'ai eu que des bons retours de la part des acteurs, comme quoi l'équipe était très pro et très sympa. Et ça, ça fait plaisir, parce que c'est important que les comédiens ils se sentent à l'aise. On a réussi à rentrer tous les plans à chaque fois. Aujourd'hui, on en a même fait un de plus. Donc c'est plutôt cool. Je suis très très contente des plans qu'on a rentrés. Et je suis très très contente de vous, parce que vous avez vraiment été géniaux. J'ai l'impression que vous étiez contents de venir sur le tournage tous les matins. J'ai l'impression que vous étiez fiers. Du travail que vous faisiez, j'ai l'impression que vous étiez juste heureux. Tout ce qui compte pour moi, c'est que les comédiens soient à l'aise, c'est que vous soyez à l'aise et que on fasse tous un beau film tous ensemble. Et j'ai l'impression que c'est le cas, donc on verra le résultat. Mais en tout cas, on a vraiment tout donné sur le tournage pour que ça soit le cas. Donc merci beaucoup. J'espère que vous êtes aussi contents que moi. Et merci pour tout. This act, now ladies, here we can remind you. I'm only here to twist you, then whip you, whip you, then clip you, then dance. Still this motherfucking music we crib to. Still this motherfucking music we crib. Ah, and I'm all the best weed, cause I gotta go. And I'm all the best weed, cause I gotta go. And I'm all the best weed, cause I gotta go. And I'm all the best weed, cause I gotta go. And I'm all the best weed, cause I gotta go. And I'm all the best weed, cause I gotta go. And I'm all the best weed, cause I gotta go. And I'm all the best weed, cause I gotta go.